Sur la route. Pense à moi. Alors, on est un bon chien? On t'oublie pas, tu vois. Allez, prends ton petit déjeuner.
Hall will be leaving from gate number 8. Continental Airlines flight 249 from Denver will be on schedule arriving at gate number 8. Bonjour, Chatwell. C'est toujours vous qui serez de garde? Oui, monsieur Atwell. Tenez, voilà pour vous. Merci, McCarthy. Le vol 72 de Los Angeles est-il arrivé? Comme prévu, il y a 20 minutes. Oui. Oh, pourriez-vous faire un appel pour monsieur Atwell, s'il vous plaît? Oui, oui, tout de suite. Merci. Oh, non, c'est inutile, je le vois. Bien. Désolé d'être en retard. T'as rien à foutre de toute la journée, à part bien sûr tes heures de bienfaisance, et tu n'es même pas capable d'arriver à l'heure. Ne ridiculise pas mon travail. C'est important pour moi et pour tous ceux qui en vivent. Si c'était si important, ils te paieraient. S'ils ne le font pas, c'est parce que tu ne vaux rien. Je préfère ne pas perdre mon temps à te répondre. Parce que tu n'as rien à dire. Un effort, petite tête, engueule-moi un bon coup. Dis-moi merde, tu te sentiras mieux. Prends un verre, tiens, ça ne peut pas te faire de mal. Non, merci. Hé, hey, barman, un autre double sans glace. Tu te crois malin? Je dois aller à Washington ce soir. Tu viens juste d'arriver? Oh, Steve ne t'a rien dit. Il m'a obtenu un rendez-vous avec un des grands chefs. Non, il ne m'a rien dit. Tu ne seras pas là ce soir, alors. Quelle importance, tu te passeras de moi, Steve me remplacera. Wendell, on donne une fête en mon honneur ce soir. Tu le sais depuis des semaines. Ta fête, je m'en tape. C'est du cirque pour tous ceux qui ne foutent rien. Ces soirées-là, elles n'ont que le but de vous faire cracher aux bassinettes en enfoiré que vous êtes. Ah, le club de ceci, le club de cela. C'est à qui pètera plus haut que son cul pour épater le voisin. Tu m'as épousé pour pénétrer dans ce milieu. Oh, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. Je demande le divorce, Wendell. Cela gênera la vente de mon affaire. Ça fait plus d'un an que j'attends la vente de ton affaire. Sans blague. Je savais ce que je faisais en investissant la fortune de ta mère et toute ta dot dans ma compagnie. C'est pour ça que je veux divorcer. Pour aller vivre avec ton amant? C'est mon problème, mais ça ne regarde que moi, Wendell. D'accord? Nom de Dieu, tu peux pas faire attention. C'est ma voiture que tu conduis. Je n'ai aucune envie de payer tes excès de vitesse. Eh bien alors, cesse de te servir de ta femme comme chauffeur. Où veux-tu en venir, Wendell? Toujours la même chose, prêcher le faux pour savoir le vrai. C'est parce que tu m'aimes que tu viens me chercher? Tu perds ton temps, arrête. Eh bien moi, je t'aime. Laisse-moi. Je veux bien être cocu, mais je tiens encore à la vie. Tue-toi si tu veux, mais sans moi. Mes respects, monsieur Atwell. On se rattrapera tout à l'heure. Rien d'urgent? Maître Herbert Charles était appelé. Oh, ne lui dites pas que je suis rentré. Je ne veux pas lui parler. Rien d'autre? Un monsieur Kelly Rodriguez. Rodriguez, j'attendais justement son appel. Demandez-le-moi tout de suite. Je n'ai pas son numéro. Est-ce que vous l'avez? Oui. Dois-je inscrire Monsieur Rodriguez dans votre annuaire? Non. Ah, Wendell, ça a marché? Steve,
Préparez-moi un verre, voulez-vous? Ah oui, tout de suite. Vous avez l'air en forme, pourtant ça n'a pas dû être facile. Est-ce qu'ils ont... ils ont ouvert les coffres? Ah, ça, faites-moi confiance. Le jour où je ne saurai plus faire cracher les banquiers républicains, j'irai chez les démocrates. Peut-on alors savoir ce que vous leur avez dit? Eh bien, que Washington nous liait les mains, que les Russes pouvaient paralyser tout être vivant sur notre planète pendant 10 mois, merci, par la vaporisation d'un produit émis d'un satellite, pendant que nos gugus du Pentagone, avec toute leur batterie de cuisine, s'époumonnaient en dilapidant les fonds publics à analyser un pet dans la stratosphère. Tout cela pour plaire... pour plaire aux écologistes. Il faut protéger les marguerites, les abeilles, les pigeons, les papillons. La seule chose qui les préoccupe, c'est la pureté de l'air. Autrement dit, pas de crédit pour notre laboratoire. C'est exact. Je ne vais pas continuer à financer de mes fonds personnels une bande de cons qui passent leur journée avec des hamsters. En ce qui me concerne, finis la recherche. Fermez-moi ce labo et virez tout ce monde aujourd'hui. Un problème? Eh bien, à dire vrai, je n'ai pas la moindre envie d'exécuter ce que vous me demandez. Vous pouvez toujours reprendre votre emploi à la CIA et le généreux salaire que vous aviez avant. Avez-vous eu Rodriguez? Pas encore, monsieur Atwell. Eh bien, continuez. Vous avez ici tous les renseignements nécessaires. À quelle heure est l'avion? 7 heures, je vous conduirai. Oui. Monsieur Kelly Rodriguez est en voyage, monsieur Atwell. Vous avez demandé qu'il rappelle? Non, vous ne m'avez pas dit de le faire. Eh bien, rappelez et dites que j'ai un urgent besoin de lui parler. Et j'oubliais, Christine, dites au fleuriste d'envoyer un joli bouquet de fleurs à ma femme. Quelques douzaines de gardénias. Et faites-en envoyer aussi, s'il vous plaît, à qui vous savez, à Los Angeles. Lesquelles, monsieur? Les plus belles et les plus chères. Et qu'il n'oublie pas d'y joindre la carte habituelle. Et pour votre femme aussi, une carte? Non, pour elle, c'est inutile. Ah, quelle imbécile, celle-là. J'espère que vous êtes libre ce soir. Parce que j'aimerais que vous accompagniez ma femme à son banquet. Non, mais avec plaisir. J'ai changé d'avis. Pour ma femme aussi, une carte. Signée, je t'aime plus que jamais. Bien, monsieur Atwell. Une bonne chose de faite. T'as manqué, n'est-ce pas? Toi aussi, tu sais. T'as fait ma valise? Oui. Ah, Consuelo. Je suppose que vous avez rangé mon bureau aussi. Si, si, seigneur. Oui, évitez la corbeille à papier. Si, seigneur. Combien de fois faudra-t-il vous dire que j'interdis que l'on touche à mon bureau? Est-ce que c'est clair? No toucher, comprendido? Nada, no toucher. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? Si, seigneur. Elle est ici depuis 3 semaines et tout ce qu'elle est capable de prononcer, c'est « Personne, il est là ». Bonsoir, Cathy. Bonsoir. Vous avez des documents, Steve? Oui, juste quelques signatures. Et signe en vitesse. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Pas avant que je les ai lus. Bien. Préparez-moi un verre, Steve, et même un double. Tu vas finir par me faire rater mon avion. Me sers aussi, Cathy? Non, non, merci. Tu as tort. Bois à ma santé. Je préférerais un peu de vin blanc. Du vin blanc? C'est pour les pédales et les cuisinières. Consuelo a préparé des croquettes avec des chips. Tu devrais dîner rapidement avant de partir. Oui, si je peux te plotter en même temps.
Ah, la glace. Consuelo. Et pourquoi méchant, monsieur Atuel? Moi, jamais prendre papier sur le bureau. Lui, très méchant avec moi. Il est nerveux, ce n'est rien. Jamais j'y touche papier, signora. Pourquoi me faire reproche, toujours? Vous avez encore besoin d'elle? Non, c'est vrai. Consuelo, je vais m'occuper de ça. Rentrez chez vous, ne vous faites pas de soucis. Passez un bon week-end. Merci, signora. Oui, Wendell. Dans sa chambre. Tu as dit à Consuelo de s'en aller? Oui, elle est partie. Je ne peux plus le supporter. Tu es très belle. Serre-moi un os, peux-tu? Est-ce que mes fleurs t'ont fait plaisir? Oui, je te remercie. Elles sont très jeunes. Où sont-elles? Dans la cuisine. Tu aurais au moins pu les mettre ici pour qu'on puisse les voir. Hé, hey, Pancho, approche. Allez, attrape-la. Allez, gros flamme. Remets-toi. Attrape la panche, vas-y, fonce. Que fais-tu, Marie? Remets-toi. Elle laisse pas seule dans son coin. Montre-lui que tu es le maître. Tu vas voir, tu dis. Allez, allez, montre-lui. Prends-la, elle attend que ça. Tu leur as donné à manger? Bien sûr, voyons, comme d'habitude. Parce que tu devrais doubler les rations. Comme pour moi. Allez, bon sang, allez. Judy n'attend que ça. Allez, donne-lui un petit baiser. Wendell, ça va continuer longtemps, ce petit jeu. Un petit effort, ça leur fait du bien. Ils sont assis sur leur cul toute la journée. Cette pauvre Judy n'est pas comme toi. Elle n'a pas la chance d'avoir un amant qui satisfait tous ses désirs. D'accord, Judy? Wendell, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, il manquait plus que ça. Il doit faire une crise cardiaque. Je ne crois pas. Alors, ça doit être juste un malaise. Je viens de l'empoisonner. Sans saveur, incolore et très efficace. Oh, c'est pas vrai! Espèce de non. Salaud! Non, c'est inutile, c'est inutile. Je te déteste. Vite, un médecin. On ne peut pas le laisser comme ça. C'est trop tard. C'est trop tard. Pitié. Il est mort. Oh non. Non. C'est pas vrai. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il meure. C'est pourtant ça que tu voulais. Non, je ne veux pas qu'il meure. Mais il te tuait tous les jours. Tous les jours un peu plus. Jusqu'à ce que tu deviennes folle. Te vidant de tout ton sang. Et tu aurais voulu que j'assiste à ça. Que je reste passif. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Oh, Steve. Cathy, c'est parce que je t'aime. Écoute-moi. Fais ce que je te dis. Je ne suis pas là. Qu'est-ce que tu me fais? Ne réponds pas. Oh, Cathy, fais-moi confiance. Où se trouve son passeport? Dans son bureau.
Steve, appelons la police, s'il te plaît. D'accord, Cathy. Si tu y tiens, j'appelle la police et je les préviens que nous avons tué Wendell Atwell et qu'ils viennent nous arrêter. C'est vraiment ça que tu veux? C'est trop tard. C'est avant que tu aurais dû demander l'aide de la police. T'es prêt. Bon, il va falloir jouer serré. D'abord, je prends l'avion de 7 heures pour Washington. Je suis Wendell Atwell, président du consortium Atwell. Et je reviens demain à 1 heure. Tu me laisses toute seule? Je te débarrasserai demain de son cadavre. À la mine de Wickenburg, personne ne songera à le chercher là. Et dimanche, nous prenons son argent au coffre et nous quittons la ville comme monsieur et madame Atwell. Voici ton passeport. Et tu gardes la clé du coffre. Quel coffre? Dans un coffre, il y a une valise à l'aéroport dans laquelle se trouve $1 million en billets que Wendell conservait pour ses affaires privées. Ce $1 million était toujours à sa disposition pour tous les pots de vin et autres magouilles politiques. Et il payait même un garde de l'aéroport par mesure de sécurité chaque fois qu'il se rendait à ce coffre. Garde cette clé. Et s'il m'arrive quelque chose, tu vas chercher l'argent et tu n'en parles à personne. Ok, Steve. Courage. Qu'est-ce que tu veux dire par s'il m'arrive quelque chose? Rien. Il n'y a rien à craindre. Quand les bureaux ouvriront lundi, on sera loin. Et si quelqu'un cherche Wendell pendant le week-end, il est à Washington. Quand as-tu dit que tu revenais? Je serai là demain après-midi. Je ne veux pas coucher ici ce soir. Cathy, sois raisonnable. Tu ne crains rien ici. Le chien te garde et tu vas être au banquet toute la nuit. Et pour dormir, tu n'auras qu'à prendre un bon somnifère. Oh, je ne veux pas aller à ce banquet. Mais tu dois y aller, Cathy. Non. Et si on te trouve nerveuse, ce ne sera que mieux. Tout le monde pensera que cette récompense t'émeut. Non, c'est au-dessus de mes forces. Il le faut, Cathy. Fais un effort. C'est notre seule chance, Cathy. Ne la gâchons pas. De beaucoup d'autres ne s'est jamais découragée. Sa ténacité et ses efforts nous ont permis d'acheter ce foyer qui offre aux jeunes filles la possibilité d'adhérer à notre communauté et à retrouver l'espoir. Cathy, nous sommes fiers de t'offrir cette plaquette. L'État d'Arizona honore Catherine Atwell et rend hommage à son incessant dévouement pour la création de ce foyer de l'espoir. Fort. Nous regrettons que Wendell ne soit pas là ce soir pour partager ta gloire.
Vous voyez combien je suis émue de recevoir cette récompense. Cette plaquette sera toujours pour moi le symbole d'un magnifique espoir qui fut celui de notre communauté. Ce foyer qui, grâce à vous, est devenu réalité, accueillera toutes celles qui sont à la dérive. Nous leur offrirons la chaleur, des conseils, et s'il le faut, peut-être aussi les douches froides qui les remettront dans la bonne direction. Nous serons la famille qu'elles n'ont pas eu la chance de connaître et qui ne demande qu'à les aider. Ce foyer de l'espoir n'existe que par les dons généreux de notre communauté. Et au nom de toutes nos filles, je vous remercie du plus profond du cœur. Quelle magnifique soirée, Monica. Catherine, venez danser. Non, merci, Herbert. Oh, mais c'est un devoir. Je viens de remettre un chèque de $5,000 pour vos œuvres. Soyez gentille. Oh, un geste. Oh, Catherine, je vous en prie. Oh, enfin, merci. Vous avez tellement longtemps qu'attendez ce moment. Allez. Félicite, Catherine. Moi aussi. Vous avez été formidable. Oh, Catherine, pour vous, je suis prêt à tous les sacrifices. Bravo, bravo. Merci. On envoie Monica et Wendell prendre des vacances en orbite dans la prochaine navette spatiale. Et vous et moi allons passer Catherine, deux semaines été au Bahamas. Merveilleuse. Où vous vous réveillerez chaque matin devant un parterre de pétales de roses sur lequel nous ferons l'amour pendant des heures. Ah, jamais je ne vous ai vu aussi belle que ce soir. Herbert, j'ai envie d'un whisky, s'il te plaît. Ah, je n'ai eu que la moitié de mon danse. N'oubliez pas l'autre moitié. Cathy, mais tu en fais une tête. Monica, ça va, je t'assure. Je te demandais si tu accepterais de me présenter. S'il te plaît, Alice, je parle avec Catherine. Oh, alors, Catherine, je vous enlève? Non, merci, je n'ai pas soif. Trempe juste tes lèvres. Non, merci. Vous voulez que je vous raccompagne? Merci, mais j'ai ma voiture. Je vais bien vous la laisser, il la reprendrait. Elle a dit non, Herbert. Tu es sûr? Herbert, vous m'aviez promis. Oh, c'est vrai. Félicitations, Cathy. Je reviens, Monica, je peux? Volontiers. Encore bravo, Catherine. Bravo. Ah, il est encore coiffé de son poteau. Maman, je voulais te dire que ta tante Stella ne va pas mieux. Elle m'oblige à rester à Denver jusqu'à la fin du mois. J'espère que l'on a pris beaucoup de photos de toi lors du banquet. Oh, j'ai été bien triste de ne pouvoir être auprès de toi, mais je me réjouis de ton succès. Je t'embrasse, maman. Herbert,
Oui, c'est moi, pervers. Je vous apporte un petit cadeau. Vous devriez rentrer chez vous, Herbert. Étant votre avocat, je suggère que nous envisagions la possibilité que je dorme ici ce soir. Et je vous rappelle que Wendell m'a fait promettre d'être à sa disposition et d'accourir immédiatement en cas d'urgence. Aussi, me voilà. Je suis à vous. Demandez-moi ce que vous voulez. Je suis là pour le remplacer, puisqu'il n'est pas là. Pour lui, je laisse ma femme. Je ferme mon cabinet. Mais pourquoi ne m'a-t-il pas appelé? Et il quitte la ville sans m'avertir. Et ce qui est un comble, il ne répond même pas aux 3 messages que je laisse sur son répondeur. Enfin, comment accepter un tel comportement? La seule excuse que je lui trouve, c'est vous, ma ravissante. Ah, à nous. Une bonne bouteille et hop, moi ça me réveille. Je vous en prie, allons, Herbert. Oh, je vous aime. Vous êtes la seule. Monica est... Oh, si ennuyeux. Oh, ça suffit. Oh, mais on s'entendrait si bien ensemble. Non, oh, profitons de vous seul, tous les deux. Oui. Vous êtes ivre, rentrez chez vous. Vous êtes fou. Couchez, cow-boy. Arrête, cow-boy. Couchez. Non, couchez. Obéis. Il vous a blessé? Oh, je suis vraiment désolée. Oh. Oh, faut-il que je vous aime? Oh, gâchez du si bon champagne. Quelle honte. Mais c'est le meilleur antiseptique. Je m'y connais. Eh bien, je n'ai plus qu'à m'en aller. Bonne nuit, Catherine. Inspecteur Donner. Police fédérale, puis-je entrer? Pourquoi, inspecteur? À propos de votre mari. On nous a prévenu de sa disparition. Disparition? Qui vous a dit qu'il avait disparu? Mademoiselle Christine Wheeler, qui prétend être sa secrétaire. Il était censé l'appeler hier soir, mais comme elle n'avait pas de nouvelles ce matin, elle nous a prévenu. Mon mari est parti pour Washington. C'est elle-même qui a réservé son avion. Il avait beaucoup d'argent sur lui, paraît-il. Est-ce que vous lui avez parlé? Je lui ai parlé. Et quand cela? Ce matin. Et précisément. Je crois qu'il devait être
10 heures. Vous avez été ici toute la matinée? Oui, pourquoi? J'ai appelé, personne n'a répondu. Oh, je devais être sous la douche. 4 fois? J'ai dû aussi, je crois, sortir avec mon chien. Quand vous avez parlé à Monsieur Atwell, vous n'avez rien remarqué d'inhabituel dans sa conversation? Non, je ne pense pas. Vous a-t-il dit où il était? À vrai dire, non, mais je sais qu'il a l'habitude de descendre au Sheraton. Mademoiselle Wheeler a appelé le Sheraton. On ne l'a pas vu. À quelle heure était son avion hier soir? À 7 heures. À 7 heures. Très bien. Parfait. Est-ce que... Non, ce sera tout. Qui chasse? Vous, monsieur Atwell? Personne. C'était sa mère. Un sport de millionnaire. Une jolie commode. Merci. Du bois de rose. Un peu de bichromate et le noyer devient du bois de rose. Comment savez-vous ça? Métier. Au XVIIIe siècle, un ébéniste pouvait nourrir sa famille en enduisant de bichromate à un meuble en noyer pour en faire du bois de rose. Vous êtes un amateur? Pas avec mon salaire. Mais parfois, le dimanche, je répare quelques meubles pour un ami menuisier. Mon père, lui, était ébéniste. Il m'a appris. J'ai fait son cercueil. Mais je ne veux pas vous retenir. Nous vérifierons encore l'hôtel Sheraton. Excusez le dérangement. Au revoir, inspecteur. Continental Airlines à votre service. Est-ce que le vol de 12h30 de Washington a atterri? Oui, madame. Merci. Il y a longtemps? Il y a 20 minutes. 20 minutes? Merci beaucoup. Bonjour, ici Steve Fulton. Steve. Je suis absent pour l'instant, mais si vous laissez votre nom et numéro de téléphone, je vous rappellerai dès mon retour. J'écoute, inspecteur. Je voulais vous prévenir, madame Atwell. Aucune trace de votre mari au Sheraton. Il vous a appelé en PCV? Non. La police vérifie en ce moment tous les autres hôtels de Washington. Savez-vous qui il devait voir à Washington? Non, je ne sais pas. Est-ce que sa secrétaire le saurait? Je n'en sais rien. Peut-être. Si cela est possible, madame Atwell, je souhaiterais passer vous voir aux environs de, disons, 9 heures, pour jeter un coup d'œil. Je regrette, inspecteur, je dois sortir ce soir. Vous n'êtes pas inquiète pour votre mari, madame Atwell? Parce que nous le sommes. Si, si, bien sûr, inspecteur. Évitez de sortir, s'il vous plaît, madame. J'aimerais faire une vérification plus poussée. Qu'espérez-vous trouver, inspecteur? Quelque chose qui puisse nous donner une indication sur son absence. Bien, je vais essayer. Je viendrai avec un mandat de perquisition. Thank you.
Je n'ai pas encore habillée pour le ballet de ce soir. Oh oui, excuse-moi, j'ai complètement oublié. Allez, dépêche-toi. J'appelle Alice et je lui dis que je passe la prendre dans 10 minutes. Et que nous sommes en retard, comme d'habitude. Non, je suis désolée, je ne peux pas venir. Oh, Cathy, si j'avais su que tu ne pouvais pas venir, j'aurais invité quelqu'un d'autre. C'est un spectacle fantastique. Pourquoi tu ne m'as pas appelée? Excuse-moi, Monica. Tu agis d'une façon bien irresponsable ces derniers temps. Je ne me sens pas bien. Je t'assure, rien d'autre. Je peux te dire que tous tes amis sont inquiets pour toi. Débarrasse-toi de Steve Fulton. C'est un minus. Non. Non, ce n'est pas vrai. Tu vaux mieux que lui, crois-moi. Et sois un peu plus discrète à l'avenir. Si tu prends un amant, ne lui demande pas de venir te chercher au bureau. C'est inutile de faire jaser. Je vois que mon mari est passé par ici. Oh, Monica, ne sois pas ridicule. Herbert s'est arrêté en rentrant et je l'ai renvoyé. Il était ivre. Monica, laisse-moi t'expliquer. Ne t'en va pas. Monica, ce n'est pas ce que tu crois. Ne t'en va pas. J'ai besoin de toi. Débarrasse-toi de Steve Fulton. Je viendrai avec un mandat de perquisition. Nous regrettons que Wendell ne soit pas là ce soir pour partager ta gloire. C'est trop tard maintenant. Je viendrai faire une visite plus poussée. Je me débarrasserai du cadavre demain, ne t'inquiète pas. Et nous partirons loin, loin. Tombé en panne? Je suis désolée, j'arrive pas à la faire démarrer. Excusez-moi. Thank you.
Ayez pitié de moi. J'ai besoin de vous parler, madame Atwell. Vous m'aviez dit que vous seriez là à 9h. Eh bien, disons que j'ai changé d'avis. Mignon, comment ils s'appellent? Punch et Judy. Et ils ne sont pas trop turbulents? Non. Madame Atwell, pas d'autres nouvelles de votre mari? Non, aucune. On a vérifié à l'aéroport, il n'a pas pris le vol pour Washington. Oh, mais peut-être a-t-il pris un autre vol? Ça m'étonnerait, il n'a pas été enregistré. Mais je lui ai parlé. Il a pu vous appeler de n'importe où. Madame Atwell, pourriez-vous me conduire à son bureau, s'il vous plaît? Oh, je regrette, je n'ai pas le droit. Votre mari s'occupe d'armes biologiques. Et je crois savoir que beaucoup de gens dans ce pays sont farouchement opposés à cette activité. A-t-on déjà cherché à tenter à sa vie? Je ne crois pas. Vous lui connaissez des ennemis? Je n'ignore, inspecteur. Je vais devoir appeler le FBI. Inutile de m'accompagner. Bonsoir, inspecteur. Excusez-moi de vous déranger si tard, madame. Mais il s'agit d'un document officiel vous concernant. Ah oui? Oui, l'inspecteur Donner. D'accord, juste le temps de vérifier. Qui est le responsable ici quand M. Atwell est en voyage? Steve Fulton. Pouvez-vous m'écrire son téléphone et son adresse? Je le prendrai plus tard en sortant. Vous allez rester longtemps? Non, pourquoi? Pour rien, mais quand vous aurez terminé, faites-le deux pour que je vous ouvre. D'accord. Pourriez-vous me dire l'heure du dernier avion pour Denver ce soir? Certainement, madame. 8h30. Parfait, merci. Votre nom, s'il vous plaît? Catherine Atwell. C'est en ordre, madame. Merci beaucoup.
votre monnaie, Madame Atwell. Pour le vol 214 pour Denver, embarquement porte 7 dans 15 minutes. Je vous remercie, mademoiselle. Fred, quelle surprise! Oh, Monsieur Melford, ici Catherine Atwell. Je m'absente pour quelques jours et je voulais vous demander si vous pouviez venir vous occuper des animaux. Oh, je regrette, je vous préviens, un peu tard. La clé est à l'endroit habituel et ils ont mangé. Pas ce soir. Mais je compte sur vous demain. Je vous appelle de Denver pour vous prévenir de mon retour. Merci. Vandel Atwell est prié de se rendre à la cabine téléphonique la plus proche. Je répète, M. Vandel Atwell est demandé au téléphone. Mademoiselle Gottschalk, vos affaires. Vous êtes malade? Ça va, petit. Ah, tant mieux. Voilà, j'espère qu'il y a tout. Merci.
Madame, regardez bien cette voiture. Hitler l'a offerte à Staline en gage d'amitié. C'est joli. Staline en était fou. Et récupéré et importé ici par un illustre linguiste suédois, Ken Johansson. Mais passons à la suivante. Cette voiture est celle de Roosevelt. Ici, le saut présidentiel. Carrosserie blindée, évidemment. Et quelle est la marque? Mais une Packard 12 cylindres. Et quelle était son autonomie? Si ma mémoire est bonne, 1 litre par kilomètre. Ce qui explique qu'elle est mieux ici que sur la route. S'il vous plaît. Là, parfait. Betty, je vous en prie, voyons. Ce sont des pièces de musée, ce n'est pas un cirque. Cowboy? Cowboy? La police, s'il vous plaît, c'est urgent. Police de Phoenix, sergent Lully. Inspecteur Donner, je vous prie. Je vais voir s'il est là. Va dire à Donner de prendre la communication. Il n'est pas arrivé, sergent. Éteins la lumière dans son bureau, nom de Dieu. Inspecteur Donner n'est pas là. Je peux vous aider? Excusez-moi. Allô? Monica, il faut que je parle à Herbert. Oui, un instant. Je reviens tout de suite. Herbert? Oui? Téléphone! Allô? Herbert, c'est Catherine. Je m'excuse pour l'autre soir. N'en parlons plus, c'est préférable. Je regrette. Je suis occupée, Catherine. Je vous en prie, Herbert, il faut absolument que je vous parle. Chaque chose en son temps, ma chère. C'est trop tard. Je vous en prie. Non, Herbert, non, il faut que vous m'aidiez. Que se passe-t-il, Catherine? Je ne peux pas vous le dire par téléphone. Alors, on se voit à New York? La police va revenir, je ne sais pas quoi leur dire. Eh bien, ne dites rien, c'est simple. Rappelez-moi à mon bureau. Non, non, Herbert! Je suis très occupée, Catherine. À demain.
Cowboy? Monsieur Melford est là. De la part de Catherine Atwell. Pourriez-vous lui dire que j'ai décidé d'annuler mon voyage? C'est cela, mademoiselle. Il n'a plus besoin de venir pour les animaux. Dites-lui que je le remercie. Bonsoir. J'ai essayé de vous joindre ce matin. Je voulais savoir s'il y avait du nouveau. Je vous ai dit tout ce que je savais hier soir. Il n'y a aucune trace de votre mari sur quelque vol que ce soit. Pas plus que la police n'a été capable de trouver où il pouvait être descendu. La seule chose dont je suis sûr, c'est que votre mari n'a pas quitté Phoenix. Ou alors ce serait en voiture. Vous m'avez appelé. Vous vouliez me parler, probablement. Non, je voulais seulement savoir si vous aviez trouvé mon mari. Madame Atwell, je vais vous paraître peut-être très indiscret. Est-ce que vous vous entendiez bien avec votre mari? Non. Vous vous prépariez à sortir? Oui, c'est vrai. Et si vous m'y autorisez, j'aimerais regarder tout d'un peu plus près. Auriez-vous entendu parler d'un certain Rodriguez? Non. J'ai trouvé ceci sur le bureau de votre mari. Un talon de chèque de 1000 dollars qui a été remis par M. Atwell à M. Rodriguez. Rendez-le-moi, s'il vous plaît. Kelly Rodriguez a une licence de détective à Tucson. Eh bien, Atwell Industries engage souvent des détectives privés. Ce n'est pas un inconnu pour nous. J'ai moi-même eu affaire à lui. Il est spécialisé dans les faux témoignages, divorce, adultère, etc. Non, je ne le connais pas. C'est pourtant curieux qu'un homme comme Rodriguez... Vous n'auriez pas remarqué un grand escogriffe, brun, une bonne cinquantaine, le teint plutôt basané, mexicain? Non. Je ne l'ai jamais vu. Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Puis-je vous demander quand vous avez vu Steve Fulton pour la dernière fois? Vendredi. Il a conduit Wendell à l'aéroport. Alors, c'est la dernière personne qui a vu votre mari? Oui, oui, je suppose. Pourquoi? Lui aussi a disparu. Décidément, ça devient une épidémie. À plus tard.
Allô? Madame Atwell, ici Consuelo. Mon mari vient me téléphoner. Pourquoi avez-vous frappé lui? J'avais dit à Louis de venir chercher mes affaires. Mais vous, jamais là. J'ai appelé plusieurs fois, mais vous... Jamais là, jamais! Je ne peux plus travailler chez vous, signora. J'ai donné à lui la clé pour vous rendre. Le docteur dit que j'ai trop grosse tension et cela très dangereux pour mon cœur. Et monsieur Atwell, lui, toujours très méchant avec moi. J'aime beaucoup, signora. Consuelo, très triste. Adieu, signora. Il y avait quelqu'un dans cette maison. Je sais qu'il y avait quelqu'un. C'est possible, mais il n'y a plus personne maintenant. Tout ce que je vous dis est vrai. Il a tué mon chien et mes singes. J'ai inspecté chaque pièce. Oh. De plus, j'arrive de Tucson. Et j'ai eu un long entretien avec Kelly Rodriguez. Votre mari l'avait engagé. Et cette maison est truffée de micros. J'ai entendu toutes vos conversations avec M. Fulton. Inutile de mentir. Alors, vous savez que je n'ai pas tué mon mari. Que ce soit vous ou Fulton, pour moi, c'est exactement la même chose. Vous m'avez menti. Et vous êtes sa complice. Allô, puis-je parler à l'inspecteur Brown, s'il vous plaît? Allô, Brown? Donner. Je souhaiterais que vous veniez chez les Atwell d'urgence. C'est important. Oui? C'est ça, d'accord. Oui, c'est préférable. Non, non, on n'a pas besoin d'eux. D'accord. Vous avez un bon avocat? Vous allez en avoir besoin. Oui. Herbert Child. Son numéro? 5589... non, 55899, c'est son numéro privé. Son bureau, c'est... 957-5000. La presse et la télévision vont vous poser des tas de questions. Évitez-les. Je vais prévenir votre avocat. Si j'étais vous, j'irais prendre une bonne douche et me changer. Pourriez-vous me remettre la clé de ce coffre pour que je puisse y prendre l'argent? Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Brown, désolé de te garder comme ça au téléphone, mais écoute, je vais garder la voiture pour aller ouvrir le coffre à l'aéroport et je la rapporterai après. Merci, oui, je compte sur toi. Mais pour tout le monde, il vaut mieux dire qu'il s'agit d'un empoisonnement. Ah, et préviens Force pour l'autopsie. Oui, qui se dépêche, le cadavre a plus de 2 jours. Oui, ça vaut mieux, en effet. Et dis aux gars d'apporter des sacs en plastique costaud. Il y a aussi des cadavres d'animaux. C'est pas joli à voir, et la veuve en a assez vu comme ça. Une seconde.
Ne t'inquiète pas pour la voiture. Merci. Salut. Mais il n'y a plus personne. Tout ce que je vous dis est vrai. Il a tué mon chien et mes singes. J'ai inspecté chaque pièce. Oh. De plus, j'arrive de Tucson. Et j'ai eu un long entretien avec Kelly Rodriguez. Votre mari l'avait engagé. Mm-hmm. Et cette maison est truffée de micros. J'ai entendu toutes vos conversations avec Monsieur Fulton. Inutile de mentir. Alors, vous savez que je n'ai pas tué mon mari? Que ce soit vous ou Fulton, pour moi, c'est exactement la même chose. Vous m'avez menti, et vous êtes sa complice. Alors, puis-je parler à l'inspecteur Brown, s'il vous plaît? Oh, Brown, donne-moi. At the tone, the time will be 9:02:30.
home, the time will be 9:02:40. At the dome, the time will be 9:02:50. Séjour à Samoa, M. Fulton. Merci. Embarquement dans 10 minutes, Port-au-Prince. Bien. Police de Phoenix, sergent Lully. Je voudrais parler à l'inspecteur Donner, s'il vous plaît. Ici l'inspecteur Donner. Je voudrais signaler un meurtre. Il s'agit de Wendell Atwell. Et qui êtes-vous? Mon nom est Steve Fulton. L'adresse 2131 Edgemont Drive. Et puis-je vous demander, vous étiez témoin? Pas vraiment. Comment le savez-vous? Parce que je l'ai tué. Merci. Mon vol a déjà été appelé. Faites vite. Vous avez loué la voiture ici? Non, à Tucson. Ça fera $227 pour la semaine. Réservé à moins cher que par jour. Très bien, merci. Je fais de mon mieux. Je vous souhaite un bon vol, Monsieur Rodriguez. Je l'espère. Qui vous êtes? Je m'appelle Steve Fulton. Je travaille pour M. Wendell Atwell. Moi aussi. Voulez-vous me suivre?
S'il vous plaît. Lett McCarthy, je suppose. J'ai un message pour vous de M. Atwell. Oui, M. Atwell. Une enquête administrative l'empêche de venir lui-même. Il m'a envoyé pour prendre ce qui était au coffre. Je suis le vice-président de la compagnie. Qui me dit que c'est la vérité? Il m'a remis ça pour vous. Il n'a plus besoin d'utiliser le coffre. D'accord. Va partir.